fioul. Salut Low Fuel, aujourd'hui je fais de l'avion. C'est rare, mais il y a des occasions qu'on ne peut pas refuser. Et grâce à Robert et Thomas, aujourd'hui, j'ai fait du Mauboussin Corsair 125. Ce magnifique avion qui est derrière nous, qui semble tout droit sorti d'une BD des années 40, La Ligne Claire, la BD belge. Et on aurait pu en voir descendre Tintin, Spirou et Fantasio, mais aujourd'hui, c'est Thomas et Corentin qui sont descendus de l'avion. On vient juste de faire un vol magnifique au-dessus de la Champagne, au-dessus du lac de la Forêt d'Orient. C'était très très beau. C'est la toute première fois sur les plus de 80 vidéos qu'on a tournées en vol que je n'ai pas piloté. Et en fait, ça ne m'a pas manqué du tout. J'ai tellement profité du vol, c'était tellement joli. J'avais la tête en dehors, vous verrez que c'est un drop head, que je n'ai même pas pensé à prendre le manche. Après, tu as plus ta SEP aussi. C'est vrai aussi. Robert, merci pour cette occasion. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cet avion, où tu l'as trouvé? Alors, je ne l'ai pas trouvé très loin. Donc, je suis de Troyes et j'ai dû faire 35 km pour le trouver, donc à Romilly-sur-Seine, dans un hangar sous la poussière. Magnifique. C'est ce qu'on appelle une sortie de grange. Ah, complètement, ça, vraiment. Et pas déguisé, une vraie. Donc, il y avait de la poussière partout. Ouais. Il y avait en dessous de la poussière plusieurs couches de peinture. Et vous avez fait une restauration complète de l'appareil. Ouais. Tu peux me dire à peu près combien de temps ça a pris? À la louche, 5 ans. 5 ans, ouais. C'est ça. C'est le temps qu'on investit sur ce genre de projet. C'est souvent quelque chose au long cours parce qu'on a aussi un travail, on a des vies, on a des familles. Est-ce que tu avais des papiers, des documents sur lesquels tu as pu t'appuyer pendant cette restauration? Ah non, il ne reste strictement rien en documents. Donc il n'y a pas de documentation? Pas de plan, pas de plan technique, ni alors, sur le moteur. Alors tu vas voir, ouais. S'il y a des passionnés qui regardent la chaîne et qui, dans leur tiroir, ont de la documentation sur les Mauboussin Corsair 125, ouais. C'est le moment de lever la main et de dire hey, « Eh les gars, j'ai des trucs que vous n'avez jamais vus. » Et ça, je sais que ça existe. Et du coup, vous avez fait ça sans documentation, vous avez entièrement désentoilé l'appareil. Est-ce que vous avez fait des trouvailles particulières en dessous de l'entoilage, des choses comme ça? Oui, on a trouvé des cocardes françaises. Des cocardes françaises? Voilà, sur le fuselage et les ailes, et des bandes de débarquement. 39-45. 39-45, les bandes blanches et noires. Génial. C'était un avion de liaison, hein, donc ils emmenaient des gugus, mais bon, on n'a pas de traces de ce qu'ils ont fait exactement, mais ils ont participé quand même... Peut-être juste après le débarquement, parce que... Ouais. Hein, en quelle année il a été designé, cet avion? Le premier, son petit frère, qui était pratiquement pareil, c'était en 33. D'accord. Et après, je pense que c'était 36 pour l'appareil définitif, comme ça. Et le designer, ouais. Si vous avez récemment été en ville, quelque part en France, vous le connaissez, c'est l'un des frères Mauboussin, la fameuse marque de joaillerie. Ils étaient tous les deux passionnés d'aviation, et ils ont dessiné cet appareil. Et d'après ce que je sais... que tu m'as expliqué, c'est que ce n'est pas eux qui l'ont construit, ils ont fait appel à un constructeur. Oui, oui, il dessinait, il a fait le... Enfin, oui, ses bureaux. Oui, comme quelqu'un chantonne une ligne mélodique et puis il y a un arrangeur qui fait la musique. Voilà. D'accord. C'est un boulot de dessiner un avion et ça ne s'invente pas. Ouais. A priori, leur truc, c'était plus les bijoux. Robert, tu as monté une association dont tu es le président autour de cet avion. Mais je crois que vous avez aujourd'hui d'autres projets. Effectivement, plusieurs. Notamment un deuxième Mauboussin 123. Enfin, celui-ci est 125, donc une version plus vieille 123, mais motorisée avec un moteur Samson étoile. Sauf que le moteur, tu l'as pas. Je ne l'ai pas. Voilà. Il manque que ça. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, si quelque part dans la petite corbeille que vous avez tous à l'entrée de votre appart où il y a des vis IKEA, vous avez un moteur en étoile Samson 80 chevaux. Ouais. N'hésitez pas à passer un coup de fil. Alors, comme d'habitude, on va mettre toutes les coordonnées de l'association dans la description de la vidéo. Et si vous voulez leur filer un coup de main, il faut leur envoyer un mail. Voilà. Robert, merci énormément pour cette occasion. Aujourd'hui, c'est Thomas qui pilotait, donc il était assis à l'arrière de l'avion. Le son, c'était pas très très simple. On est sur un vieil avion, on a essayé de faire ce qu'on pouvait et j'ai pas encore fait le montage, donc je ne sais pas si le son est suffisamment qualitatif pour qu'on vous le propose dans la vidéo. On ne s'est pas raconté grand chose d'incroyable, on a juste profité du paysage, on a synchronisé avec le R44. J'en profite pour remercier Kevin qui était aux commandes et qui a fait un travail fabuleux. Thomas, pilote de chasse, c'était parfait, il nous a tenus vraiment nice and steady. Thomas, comment on vient à piloter un avion de collection? J'étais au bon endroit au bon moment, voilà. J'ai croisé la route de Robert et
confier son avion. Et voilà, la modestie des pilotes d'avions de collection. On n'arrive pas par hasard aux commandes d'un avion de collection. Je vous laisse imaginer qu'il faut montrer patte blanche, se faire connaître et surtout avoir un manche plutôt fin. Je peux vous dire que Thomas, pas de problème. On a décollé, il faisait chaud. On n'avait pas un souffle devant. On est un petit peu haut. C'était un très, très beau vol. Je me suis toujours senti en sécurité. Pourtant, j'étais dans un avion. Et pour tous ceux qui connaissent la chaîne, vous savez qu'à chaque fois que je monte dans un avion, il y a une merde. Et ben là, il n'y en a pas eu. Voilà. Il faut une première à tout. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait que je ne pilotais pas aujourd'hui? C'est une possibilité. Si on est là, aujourd'hui, à Bar-sur-Seine, ça n'est pas un hasard. C'est parce que demain aura lieu le rassemblement annuel de l'association. Juste à côté de nous, Grégoire est assez sympa pour tourner la caméra, vous verrez qu'il y a déjà des jolies choses. Ce sont les gens qui se sont trompés de jour et qui ont cru qu'on était demain. Aujourd'hui, c'était juste entrée des artistes. Et donc, dis-nous un mot de ce rassemblement et de ce que vous y faites. C'est surtout les événements de collection. Mmh. Et ça a lieu tous les ans. C'est le 10e anniversaire. Chapeau. Oh, merci. Mais, tu sais qu'on a commencé avec deux avions au départ. On était quatre dans le hangar, on se faisait des petits sandwichs. Et puis, ça fait 5 ans que ça a pris de l'ampleur. Ouais. Et les gens ont pris l'habitude de venir, comme c'est un terrain bucolique, hein, champêtre, hein, tu ouais, vois. Hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas de tour de contrôle, il n'y a pas de barrière, rien. C'est, ouais, c'est, à l'ancienne. C'est convivial, c'est à l'ancienne. Pour moi, l'esprit de l'aviation, celui qui m'a fait rêver quand j'étais enfant et que j'ai envie de partager avec vous, c'est ça. On est sur le tarmac, on est proche des avions, on peut parler avec les pilotes et ça se fait en bonne intelligence et en sécurité parce que personne n'a envie d'avoir accident. Voilà, c'est... Mmh. J'ai l'impression de me glisser dans le cockpit d'une voiture de compétition au Mans. Hop, le casque, clic. On a tourné cette amphicabine après le vol. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire que quand on est en train de voler, on a énormément de vent relatif. On le prend malgré le saut de vent qu'il y a ici. Il suffit de décaler très légèrement la tête à gauche pour prendre une petite claque. Pourtant, on vole à 120 km/h, ça ne va pas très vite. Et je me suis amusé dans la vidéo à sortir les deux bras vers le haut. On a perdu 10 km/h. Ça m'a rappelé l'histoire de la différence entre le premier et le second espace Renault, où ils ont simplement changé les rétroviseurs et ils ont gagné incroyablement en performance avec ça. Et ben voilà, cet avion, on est la tête dehors, c'est génial, c'est une expérience folle. Allez, Low Fuel, je vous fais visiter. Vous allez voir, c'est full glass cockpit, full effice, hyper moderne. On a, alors ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment le royaume du métrique. On a des degrés Celsius pour la température moteur. On a ici, des dizaines de kilomètres heure pour l'anémomètre Badin d'époque. Ici, on a des milliers de mètres pour l'altimètre. Et ici, on a des tours en minute pour le moteur. Ce sont les seuls instruments avec la bille dont on dispose. On est donc dans le Fox Papa Charlie Echo Sierra. Et au niveau des commandes, on a des palonniers. C'est un tube de métal qu'on bouge avec les pieds. Ici, le manche. Le vert, les gaz, le jaune, robinet d'essence. Et c'est terminé. Pour faire l'amphicabine, il faut une trentaine de secondes. Ce matin, la tirette était restée verticale. Ouais, ça arrive. Ça se débloque après. Ouais, c'est ce que disait. C'est ouvert l'essence? Ouais, c'est ouvert. Ouais. C'est bon, ça pisse. Coupé? Non, attends, mais c'est quand même. Ouais, c'est coupé. Je brasse. Coupé? Coupé. Contact? Contact. Hélico du Mauboussin pour EC Radio. Ouais, c'est 2 sur 5. Bon, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Là, tu vois, on est obligé de mettre pas mal de tours déjà pour rouler. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est à cause du train d'atterrissage, il est un peu trop pincé. D'accord. Mais ça va le faire, je sais pas. Ah, je m'en fais pas, moi. Tu sais, quand je suis dans un ZAC, après, allez à Jacta Est. Bon, si t'as besoin de me parler alors que j'ai monté le squelch à fond, t'essayes de m'attraper la jambe à droite ou à gauche. Je vais faire mes essais moteurs. Ouais, ça marche. Allez, on commence par une belle montée quand même. Thank you.
Voilà, on va laisser un petit peu moins d'une minute, ça va être une température s'équilibre, et on arrête. Merci Thomas, c'était magnifique. Pas eu peur ? Ah, pas du tout. Eh ben, bonne. Vraiment pas. Voilà le vol, comme on vous l'a dit, on veut mettre en avant le patrimoine qui vole et les gens qui font voler ce patrimoine. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec ce Mauboussin 125, ce Mauboussin Corsair 125, un monument volant. Il est absolument magnifique et j'espère que vous aurez aimé ce vol autant que nous. À bientôt. Eh bien, Robert, Thomas, merci pour cette expérience. Merci pour ceux qui pourront profiter de ces belles images grâce à vous. Et continuez ce que vous faites. C'est très important de faire vivre le patrimoine volant, de faire vivre votre passion. Merci beaucoup. Merci à toi, surtout. Merci à toi. Bah oui. Et salut, monsieur.